qui n'a pas sa propre idée du métier de cuisinier et de cuisinière? Peut-être vous, ou quelqu'un de votre famille possédez des talents culinaires sans pour autant pratiquer cet art dans le cadre de votre travail. Le rôle d'un cuisinier est de préparer et faire cuire des aliments selon des recettes. Il élabore des menus destinés à divers types de clients en respectant les règles d'hygiène et de salubrité. Il doit analyser le travail à faire, dresser la liste des ingrédients, connaître les méthodes de conservation des aliments et le fonctionnement des divers appareils que l'on retrouve dans une cuisine. La pratique de ce métier nécessite beaucoup de créativité. Un bon chef doit aussi être capable de faire face aux imprévus. Une excellente forme physique est nécessaire puisqu'il faut travailler de longues heures debout. Les cuisiniers doivent supporter le stress des heures de pointe et souvent composer avec une équipe que l'on nomme « brigade ». Il s'agit d'un travail à horaires variables, exigeant parfois de travailler les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. Selon le type de restaurant, il leur sera demandé d'effectuer les commandes, de superviser les autres membres de la brigade et même d'assurer le service auprès de la clientèle. Les niveaux d'emploi des cuisiniers sont très variés. Du simple assistant d'un casse-croûte saisonnier au grand chef d'une table réputée, la nature du travail dépend de la réputation et de l'expérience. Bon nombre de chefs réputés deviennent leurs propres patrons en devenant propriétaires de restaurants ou traiteurs. D'autres encore connaissent des carrières enviables dans les médias et l'édition de livres de recettes. Pour pratiquer ce métier au Québec, il est suggéré de faire une formation dans une de la trentaine d'écoles spécialisées qui offrent le programme de cuisine. Cette formation d'une durée de 1500 heures vous permettra d'obtenir un diplôme d'études professionnelles, DEP. Vous pouvez trouver toutes les informations détaillées sur le programme et sur les centres de formation qui offrent la formation de cuisine sur ce site web. www.inforoutefpt.org. Les cuisiniers et les cuisinières formés au Québec connaissent beaucoup de succès sur la scène internationale, notamment lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Depuis plus de 20 ans, les jeunes diplômés en cuisine du Québec ont véritablement fait honneur à notre gastronomie lors de leur participation au Mondial des métiers. En 2007, lors du Mondial des métiers du Japon, un jeune cuisinier de l'école hôtelière de la capitale, Nicolas Drouin, a décroché non seulement la médaille d'or, mais aussi le prix Albert Vidal, remis aux meilleurs jeunes diplômés en formation professionnelle au monde, toutes disciplines confondues. La cuisine est un métier exigeant qui attire des passionnés. L'univers de la gastronomie, de la restauration et du tourisme offre des milliers d'occasions d'emploi variées, à temps partiel ou à temps plein, pour celles et ceux qui désirent découvrir toute l'excitation et l'atmosphère qui règne dans une cuisine à l'heure de pointe.